Les 30 Glorieuses vous sont présentées par le site lanouvellevanne.com. La nouvelle vanne, la vanne d'un monde qui change. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. L'humour à rendez-vous avec l'anarchie, ça s'appelle les 30 Glorieuses. Pas une personne présente dans ce podcast ne fera carrière. Ouais. Oh merde. En grillé numéro 1, Thomas Barbazan. Merci. Grillé depuis 20 ans. On y croyait, il a fait quelques passages remarqués, mais pas remarquables, dans des émissions d'humour, notamment la même année. Le Paname, le Jamel Comedy Club, 30 millions d'amis, Kino. Ouais. Il s'habille dans la vie comme il s'habille sur scène pour être sûr d'être reconnu, Sundembele. Ouais, j'ai mis ma tenue de scène ce soir. Voilà, parce qu'il y a du monde. C'est la meilleure. Comme Christophe Barbier, quoi. Toujours son écharpe. Toi, c'est un espèce de Kawé du Zimbabwe. Exactement, que j'ai acheté à Montréal. Un Zim Kawé. Voilà. Un Zim Kawé. Premier jeu de mots. Très technique. Voilà, très technique. C'est pas mal, c'est pas mal. C'était dans une boutique d'indigènes. C'est vrai, t'as acheté ça là-bas ? Ouais. D'indigènes. On dit pas indigènes, on dit autochtones. Autochtones, ouais. Oui, les autochtones. C'est pas indigène, c'est woke, indien. Les Indiens là-bas ? Oui. Là-bas aussi. Ouais. Bah aussi, d'accord. C'est un drôle de peuple, hein, parce qu'ils sont aux États-Unis, ils sont en Inde, ils étaient à la chapelle. Et dorénavant, ils sont dans les casinos. Non, c'est pas les mêmes Indiens. Les casinos. Nous, on a des Indiens de Punjabi. Oui. Enfin, oui. Voilà. Les vrais Indiens d'Inde. Ah oui. Des Indiens mémotechniques. Nous, on a des Indiens au curry. Oui, voilà. Et eux, ils ont des Indiens d'Amérique. Voilà, exactement. Il y en a encore, hein, il en reste. Hein. Il en reste, mais ils sont beaucoup dans les villes où il y a du casino. Il y a des casinos en général. Bon, ça, oui, c'est mémotechnique. J'ai appris ça avec un raciste quand j'étais aux États-Unis. Il m'a dit pense casino, pense indien. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs dans ce podcast magnifique. Merci en tout cas. Raciste. On vient de reprendre absolument les racistes. Mais tout le monde en prend pour son grade. Voilà. J'ai un ami à moi, un de nos auditeurs, qui vient d'être papa de jumeaux. Il est juif. Ça fait deux juifs de plus sur Terre. Wow. Ouais. Ouais, ça des jumeaux juifs, des juifs mots, des juifs mots, bravo, des juifs mots. On les embrasse, super, on les embrasse, super. On a le titre. Kino, je te sens en forme, ce jour férié, oui. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est fou parce que ça ne diffère pas des autres journées de ta semaine. Il était réveillé à 16h. Il y a 5 minutes, il a appris que c'était férié aujourd'hui. Donc, il ne savait pas. Moi, je suis décalqué, moi. Ouais. Non, décalé. Décalé, ouais. Chômeur. Oui, décalé, c'est les dessins. Ouais. Soun, qu'as-tu fait ? Je rappelle, je t'ai appelé hier. Ouais. 12 enfants autour de lui. Oui, bah, c'est ça. Non, t'as pas demandé, d'ailleurs, c'était pendant qu'on est parti, Soun, pendant un mois, t'as pas refait un enfant ? On ne sait pas. Ah, mais non. 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 Tu sais que c'est le mec qui coûte le plus cher en test de grossesse dans le 93. Ouais. Soun, il a tellement eu d'enfants rapidement, à l'œil nu, il reconnaît les femmes qui vont être enceintes. Bah oui, c'est on n'appelle plus ça des tests de paternité, on appelle ça des tests de Dembélé. Non, mais c'est comme les gays, ils ont le guédard là, tu vois. Ils arrivent à se, le guédard. Ouais, ils arrivent à se repérer. Si, c'est le c'est radar gay. C'est un blédard gay. C'est quoi un guédard? C'est un blédard gay. Tu mets une musique gay pour voir? J'y suis Guéda. C'est gay, ça ? Oui, oui, c'est très gay, ça. T'as tapé musique gay sur YouTube ? Ouais. Ouais. Non, c'est affligeant. Je sais pas si tu peux suivre. Tu es le pauvre artiste. Bah, non. C'est très grave, mais c'est galerie. Tape musique juive. On va faire toute l'émission comme ça. On va tomber sur une chanson de Dieudonné. La nanas. Donc, le guédar, c'est ce qui permet de repérer les gays. Ouais. C'est comme le radar des gays. Comme voilà, les c'est ça. Ah, c'est juif. C'est le premier résultat, c'est pas le meilleur. Ouais, c'est la lambada, ouais. Ça. Putain, YouTube est antisémite. Tape. Lambada juive. Ah, il y a un truc, quoi. Moshé la taupe, c'est bon, ça se voit pas. Moshé la taupe, là franchement ça va trop loin. Stop.
Non mais toi, dès que de toute manière ça touche les juifs, ça touche t'es un contorsionniste. On touche à tout le monde, on a dit. On oui, alors là, on a juif et gay. C'est pas la meilleure stratégie pour commencer dans le showbiz. On commence mal. Je vois des nouveaux visages, des jeunes qui n'ont jamais entendu ni le mot juif et gay. Ouais. Moi, j'ai entendu parler des deux vers 14 ans. Avant. Ah non, mais maintenant, ils sont au courant de tout. Ça Yacine. Tombe d'un coup. Ah, plus tard, moi, c'est vrai, plus tard. Hein. Plus tard, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai ou pas? Ah ouais, non, vraiment, je pense que... Ouais, je suis un peu plus âgé que toi, mais moi, vers je suis dans 82. Ans, 18 ans. Ah, 18 ans ouais. Ah, en Provence, ah, c'est pas, dur. Pas les gays, mais les juifs, ouais, je connaissais pas avant. Ah oui, mais toi, tu viens d'où, rappelle-nous. De Quimperlé, en Bretagne. Ah, ah oui, pas de juifs. C'est pas le quartier. Non, non, pas non, de non, juifs à Quimperlé, je te dis, c'est pas leur priorité. Ou s'ils arrivent, c'est pour l'acheter. Acheter la ville. Voilà. Ouais, ça, c'est grave, ça. Le public, non, si c'est drôle, c'est pas grave. Il n'y a, règle... a pas un juif à Quimperlé? Je crois pas. Bah, t'es fou. Enfin, si, il doit y en avoir, mais. Ah, bah non. Si vous êtes Quimperlé et juif, appelez-nous. Non, mais franchement. Y a... Non, non, mais. J'avais relu là, pendant le mois où on n'était pas là, la rumeur d'Orléans. Tu te rappelles de ça? Appelle-nous. Les commerçants juifs d'Orléans qui étaient soupçonnés d'enlever des blanches, enfin des femmes, des jeunes femmes juives. Ouais. Et de la traite des blanches, de les vendre et tout à des gens et tout. C'est une rumeur qui avait comme ça monté. Il y avait une bonne ambiance. Ça. Ouais, ouais. Et bon, bah après, voilà, c'est des musulmans qui m'envoient ça en disant ça me rappelle cette histoire, ce qui se passe aujourd'hui avec les musulmans. Thomas, il va falloir vraiment un jour qu'on discute de tes DM. Tu peux pas recevoir des nudes comme tout le monde. Je vends, que des trucs antisémites. Reçois des muses. Des muses. Ouais, super. Ça, c'est un musulman avec le Coran. Donnons le micro à cet enfant. Alors, qui est le plus jeune dans la salle? Oui, qui est le plus jeune? Ah ouais, lui, il est jeune, lui. Ah ouais. Ah ouais, c'est un. Et on dirait le gars sur les Kinder. Ah oui, oui, c'est vrai. Es-tu allemand? Ouais, il a grandi depuis. Hein. Salut chaton, c'est comment vrai, tu t'appelles? Il doit avoir 45 ans aujourd'hui. Titouan. Le... Hein? Titouan. Titouan. Ah oui, Titouan. Ça c'est breton. C'est ça. Quoi ce Titouan en arabe? C'est mignon. C'était pas super. C'était toi en arabe. Titouan. L'attaque des Titouans. Oh, ça, c'est pas mal. Tu parles trop, Titouan. Oh là 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 là. Non, c'est breton, c'est breton. Autant... Quand il y a un accent, quand il y a un accent, ça pimpe ta vanne. C'est breton, il y a un navigateur connu qui s'appelle Titouan Lamazou. Oui, je m'en souviens. Ouais. Moi, tout ce... y a des sports bon, pour la team afro avec Soon. C'est vrai qu'il y a peu d'arabes, peu de noirs navigateurs. Non. Ouais, c'est vrai. Déjà, vu ce qu'on fait sur la route, Dieu merci, on n'est pas sur la mer. Non. Hé, la baleine, nique ta mère, là. Priorité, là. La priorité comme ça, en pleine mer. Il faut déjà que vous appreniez à nager, et ensuite. Parce qu'ils savent nager. Le navigateur Sundabele est mort. Il aurait été aperçu aux abords de l'Atlantique. Non, mais c'est très grave. Ah, j'ai essayé une fois, j'ai parlé turc, ça fait glou 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 glou. C'est le van du spectacle. Oui. C'est une van du spectacle. Oh là là, ça y a pas loin. Ah, c'est de la com. Ça. Non, 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 c'est de la com. Pas le droit d'utiliser, règle d'or. Bah, j'ai la veste. Oui, t'as la veste. L'otage, je l'ai grillé, j'ai vu le spectacle. Il y a un beau spectacle, c'est dommage. Je croyais que c'est une première partie parce que c'est court, mais bientôt. 15 minutes. Attendez, il y a Titouan, Miskin. Titouan, t'es en quelle classe? 6e. À Paris? Oui. Où ça, Paris quoi? 13. Bah. 13e. Oui. D'accord. Il y a des Asiatiques? Non, pas Titouan. Première phrase raciste de toute sa vie, vous êtes prêts? Hein oui, ils sont partout. Vas-y, reviens. Ah non, pardon. Il est en 6e B12. Oh, pas mal celle-là. Elle est bien. Elle est jolie, elle est jolie. Je suis en 6e brochette. Donc, Titouan, est-ce qu'il y a des Asiatiques dans ton école? Oui, je crois. Hein? Ah bon? Je crois. Je crois? Ah, il veut pas ça se voit hein, quand même. Des Noirs? Oui, ça y a ça, pas de doute. Ça y a pas de doute. Ça, gaffe, visiblement, là, on n'est pas dans. Je crois. Oui. Oui. Oui attention, il y en a deux à côté de toi, mais elles sont gentilles. Putain, je les avais pas vues. Incroyable. Ça va les frangines. Titouan, t'as déjà vu des noirs d'aussi près? Non, mais t'as pas le micro. Il est malade. Il leur a donné le micro. Il leur a donné le micro. Bonjour. Titouan, si tu veux, tu peux interviewer des noirs. Vas-y. Ton première interview, vas-y. Est-ce que des arabes? Oui. Ton meilleur ami s'appelle comment? J'en ai deux. T'en as deux? Vas-y. Vas-y. Kyron. Ah, ah wow, on arrête c'est... là. Le micro. Non, 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 ça me dégoûte. Kyron. Donne le micro à côté là. Et Bouder. Et Bounaïmin. Kyron et. Bah l'autre il est pas arabe. Ouais, mais c'est pas grave. Du coup, il a pas de prénom. Il est désolé, il est pas arabe. On l'appelle l'arabe. Ouais. Donc il nous a... il t'intéresse pas, Yacine. C'est grave, ça. J'en parlerai à Gaspard Proust. Comment s'appelle l'autre? Sacha. C'est bien ça, c'était vrai pote.
tu sais que les deux vont te décevoir dans les années qui viennent. Je préfère être honnête. Au moins, c'est l'histoire de la vie. C'était ma meuf. Et donc, t'as rigolé quand t'as entendu Yacine dire miskine. Tu connais le mot miskine? Je l'ai déjà entendu. Oui, au fond de la classe, t'as dû entendre. Parce que c'est un collègue. Contrôle surprise. C'est des mots que t'entends les trois derniers rangs. Fais gaffe. Les premiers rangs, il n'y a jamais miskine. Tu viens de faire une fleur en panier. C'est exactement ce qu'il avait dit, mais pas sur le ton de la blague. Bah non. Des années, tu t'en rappelles. J'espère par ailleurs qu'il va mieux. Ça lui a donné un cancer. Parce que là, il a un cancer. Ouais. Ouais. Pas un cancer des Arabes. Il a un cancer. Non, il a un cancer. Il a changé de tête. Hein. C'est fou cette maladie. Ça te change. Le cancer, c'est une maladie. Il n'y a pas à chier. Mais c'est un classique shit. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas le Covid, il n'y a pas cancer, il y a tac, tout un processus. Oui. Et c'est pas sûr que tu gagnes à la fin. Pas sûr, non. Et ça peut te niquer en 3 mois comme en 3 ans. Mais comme en 30 ans. En 30 ans. Et il y en a même des artistes, quand ça marche pas trop, ils utilisent l'excuse du cancer. Hein. Ah bon? Ouais, il y a des artistes que je connais. Je suis pas drôle parce que j'ai un cancer. Voilà. Ah ouais, c'est bon, pas on drôle, comprend. Là, Non, par contre, on connaît des humoristes qui racontent qu'ils ont eu un cancer sur scène. Ça. Sarah Pébro, que je salue, qu'on a vécu, c'est vrai. Et je trouve ça magnifique d'ailleurs qu'elle en parle. Oui, oui. Après, nous les hommes, on est un peu bâtards avec les cancers, parce qu'on part du principe qu'on n'a pas de sein, donc le cancer du sein, ça ne nous concerne pas trop. Non, mais on en a à nous aussi. Hein, oui, c'est vrai. Prostate. Hein voilà, prostate, par exemple. Ouais. Si tu es une femme et que tu as un cancer de la prostate, sache, je veux pas t'annoncer deux nouvelles d'un coup. C'est ça qui est dommage pour les transsexuels, du coup, parce qu'ils pourront avoir plus de cancers. Ouais. Ouais. C'est vrai, si t'es trans et que t'as cancer du sein et prostate, Dieu t'aime pas. Je te le dis. Merci Thomas. Titouan, revenons à toi, après ce passage magique. Mon cher Titouan, t'es heureux dans la vie? Oui. Ouais. Tu passes en quelle classe? Cinquième. Ouais, c'est logique. Pas mal, ça. C'est le sixième et il passe en cinquième. L'année prochaine, les Égyptiens, Inch'Allah. Tu connais le programme de cinquième? Non. C'est là où je cartonnais en histoire, parce qu'il y avait Égypte et Islam. Je veux pas faire de communautarisme, mais Égypte, j'adorais, là. Les pharaons. Tout en camon. Ils niquent entre eux, en tout. C'est pour ça qu'ils finissaient avec des physiques un peu désavantageuses. Non. Ah bah si. Tu as suivi? Non. Je te dis, les pharaons, ils ne couchaient pas avec les autres. Donc il y avait des trucs, genre Ramsès II, ils pouvaient se taper. Ramsès I, c'était très chelou. C'est son père. C'est vrai, grave. Ouais. Si toi, tu savais pas tout ça. Vérifie, hein, je suis pas sûr la fin. Mais, Wikipédia, en passant en classe, hein, tu vas avoir une mauvaise note. Des fois, il y a des trucs pas pires sur Wikipédia. Hein. Non, mais, c'était quoi le programme de 6e en histoire? Viens. Sixième, faut venir. Là, on était sur la Grèce et on avait été sur l'Égypte avant. L'Égypte, déjà. Ah, ça a changé. Normalement, ils mettaient ça en 5e. La Grèce. Oui. Qui ont inventé l'homosexualité. Tu savais pas? Si, c'est eux, non? Ouais, c'est eux, ils se sont dit, je t'aime beaucoup, Demos. Mais t'as été scolarisé, Yassine. Et je retenais que les moments intéressants. Un collège très chelou. PD, madame. Toute la journée, en toge, à manger du raisin. Voilà. C'est dans les premiers dessins, j'ai senti que j'adorais. Il y avait un truc, quoi. Non, les Grecs, ils ont inventé la démocratie. Voilà, et la feta. Et le yaourt. Et le yaourt. Et Nikos. Ouais. Tu vas aller où cet été, chaton? Je vais aller à Majorque. Ah bien. Ouais, tes parents ont presque de l'oseille, ça veut dire. J'ai cru que tu allais dire Mayotte. Mais c'est mieux Majorque, je crois. Et je vais aller dans une villa avec mes cousins et ma famille. Oh là là, on dirait le début d'une déposition contre Jean-Luc Lahaye. Ne t'intéresse pas à cette histoire. Juste pour boutons. Finir, t'as des frères et sœurs? Oui. Combien? 14. 14? Ah non. Ah non, c'est l'âge. C'est l'âge. Ah d'accord. Même Soon, il a été choqué. Alors, même père, même mère. Et Soon a vraiment 14. Il prend des vannes de mon spectacle. Ah oui, c'est vrai, c'est ton spectacle, ça. Vas-y, prends pour Kino, prends sur Kino. C'est... Vous jouez du rock? Non, je déconne. C'est pas ça, mon spectacle. T'as combien de frères et sœurs? Une. Une sœur. 14 ans. Oui. Bah, tu l'aimes bien? Oui. Merci, Titouan. On va se quitter sur cette belle interview. C'est ton papa à côté? Oui. Il a l'air sympa, ton papa. Titouan, qu'est-ce qu'il y a là? Je t'ai perdu ou quoi? Il est enfin on dirait le mec, il n'y a plus de force dans la manette. C'est le dernier trimestre. C'est le dernier trimestre. Oui. C'est quoi là? Il te reste un mois de cours? Ou c'est fini? Oui, à peu près. Et maintenant, ça finit plus tard. Hein. C'est début juillet. Hein. Et ça reprend fin août. Bah oui. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de venir en cours au mois de juin. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Quand on dirait un mec qui walking, s'est perdu là, franchement. Ça va, frangin? Là, on dirait que tu cherchais un enfant de 4 ans. Qu'est-ce qui se passe? Tito, on va à Mayotte. Ouais, c'est parce que quand tu rentres dans la salle, il fait noir, il fait c'est sombre. Donc quand tu viens de dehors, tu fais une tête bizarre. Comme ouais. Si tu voyais rien. Merci, ténébreux. Thomas. Garde ça pour le commissaire. Mais Tito, le mois de juin, ça sert à rien scolairement. Non, mais c'est d'ailleurs les profs, ils viennent plus non plus. Ouais, c'est ça, c'est, on fait à peu près que des jeux. Ouais, 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 c'était voilà. Mon meilleur mois. Gâteau fait maison, ouais, la bonne paye. Mastermind. Là, j'avais moyenne, hein, je peux ouais. Te dire, au Monopoly, fallait pas me prendre au mois de juin. Ah, mais j'adorais ce mois-là, tu sais. Après, il y a eu les examens, c'est là où j'ai décroché ces bâtards. Ils devraient mettre les examens en décembre, et le reste de l'année, on vient avec des gâteaux. Ouais, c'est une idée. On va voir ce qu'en pense le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape. Pape Ndiaye, ouais, ouais. Pape, tu vois, tu l'as appelé comme si c'était percussionniste de Youssoundour. Je l'appelle Pape, j'aime bien. Ce... Voilà. Merci mon chaton, t'applaudis, merci. Est-ce qu'il y a d'autres enfants? Non, pas du tout. Si, bah là, il y a des, au premier ados, des ados devant. Ouais, ouais, bien sûr, je les reconnais avec leur... Salut. Ouais, ouais. On va voir si vous avez la tête de votre voix. On va voir si c'est à muet ou si c'est en cours. Bonjour. Bonjour. Ouais, pas mal, pas mal. T'es t'es sur la fin, t'es sur la fin. T'as quel âge? 15 ans. Ah ouais, ah ouais, ouais. Putain. T'es beau, hein? Merci. Bah dis alhamdoulilah, c'est normalement c'est un âge où t'es dégueulasse. T'as passé la puberté, les boutons, tout ça, c'est fini? Ouais, c'est fini là. Ah, ça a commencé en 6ème. Hein? 6ème, ça a commencé, moi. Mais t'as quel âge, toi? Mais t'as un ouf ou quoi? Mais il a plus de confiance en lui que nous tous. Ouais, ouais. Ça commence super tôt, moi. Que toi, c'est pas très compliqué. Ouais, ouais. Comment non, tu t'appelles? T'es en troisième. Maxence, je m'appelle Maxence. Maxence, ouais. T'es en troisième? Ouais. Alors, le programme cette année? Ah, c'est plutôt ça, moi je suis c'est les nazis, pro. Non. C'est ça. C'est les nazis. Regarde-le, lui. Il est ah, content. C'est les nazis. Pas content. Ils sont où, mes nazis? Mais... Pardon. Il a fait tout son spectacle. Excuse-moi. Mais sous, t'es devenu malade. Hein. C'est cette non, baisse, j'aimais là, bien la troisième. Ouais, c'est cool. T'écoutes pas ce podcast parce que t'es une sale race d'adolescent. Mais j'ai déjà raconté que je suis devenu humoriste. Enfin, j'ai découvert le cynisme du monde et la misanthropie en cours de troisième, quand j'ai vu les nazis. Okay. Et vous faites plus de diapositives. Vraiment, ils s'en vont en troisième pro. Okay. C'est, hein, bah, c'est pas la même chose. C'est quoi? En troisième pro. T'es en troisième pro? Ouais. Ah, t'es un golemon. C'est existant. Oh, putain, non, 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 là je suis pas d'accord. Non, non. Je sais pas si ça existe le troisième pro. Non, non, non. C'est un mec de BEP qui dit ça. Donc, je t'inquiète. Troisième techno. C'est tout ce qui va suivre. Que de la merde. Je te le dis. Attends, tu vas à l'école en blouse? Quand tu vas à l'école en blouse, sache que t'es pas, ça va pas se finir à la fac. T'as une mallette ou un cartable? Quel type de pro? C'est pro normal, y a pas. Enfin, le lundi on a trois stages et nous on a. Le lundi t'as trois stages? Non, pas le lundi. Le lundi on a des ateliers et on a trois stages dans l'année, donc c'est mieux. Mais en quoi? Bah tu fais ça où tu veux. Ah bon? Mais là ouais. Tu les fais en quoi toi? Bah moi j'en ai fait plein de différences, je savais pas ce que je voulais faire. Mais oui, on sent que t'as pas l'air... Maintenant tu sais? Quoi? Maintenant. Oui, maintenant je sais, ouais. Mais en troisième? Ouais. T'as des outils dans ta trousse? Quoi, troisième pro? Sortez vos marteaux. Contrôle. Contrôle. Sortez votre fer à souder. Alors tu veux faire quoi alors? Là, je vais faire la maintenance. La maintenance. Ouais. Mais pourquoi ça commence aussitôt? Non mais je suis sérieux, avant en BEP. Après la troisième, tu savais, bah, il y avait une sortie d'autoroute. Soit t'allais avec les Golemons, ce que j'ai fait, soit tu restais avec... Et notre président Yacine a dit qu'il voulait que les jeunes commencent beaucoup plus tôt, en CE2, à apprendre un métier. Non mais c'est intéressant ça. En plus tu t'appelles Maxence, tu dois être le seul... Blanc. Blanc. Exactement. Oui, exactement. Exactement. Par contre, il y a des choses qui ne changeront jamais. Non, c'est clair. Je le vois, la conseillère d'orientation. Maxence, tu avais tout pour toi. Ça avait dit ça à chaque fois. Vraiment, c'est quand c'est des blancs en BEP, on dit c'est incompréhensible. Je vois pas. On va convoquer vos parents pour savoir, nous, dès que t'es arrivé, BEP, dégage-toi. Bougnoule, va rejoindre les tiens. C'est comme quand t'appelles un blanc. Va prendre à compter jusqu'à 10. Quand t'appelles un Uber et qu'il est blanc, c'est très surprenant. Oui. C'est vrai. Comment tu t'es retrouvé là? C'est qui à côté? Mon meilleur pote. Ton meilleur pote, ouais. Est à côté? Le tonton, t'es venu, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui justifie une scolarité aussi... Nulle. C'est un chemin. Bah, t'aimes pas l'école? Warzone. Ouais, exactement. Là, il a parlé dans une langue. Qu'est-ce que Warzone, rappelons? C'est Call of Duty, le Battle Royale. Ouais. Tu joues, toi, au jeu? Ouais, beaucoup. Bah oui. Bah oui. Là, quand t'as des cernes à 15 ans, c'est que... Ou t'es DJ,
Ou la nuit, tu dois dire « Mais putain, mais je vais le niquer ce bâtard !» Avec sa mère « Maxence, demain t'as école !» La menace au marteau. Ouais. Arrête, Catherine. Hein. On va appeler Pascal le grand frère. Maxence est scolarisé dans les Alpes. Putain, l'exercice, faut taper les trucs, il est trop fort. Non, mais Maxence, on va pas faire une psychothérapie, mais moi, j'ai failli aller en pro. Je suis pas allé, mais ça avait commencé à dégringoler au divorce de mes parents. Waouh. Wow. Ce que vous ne mesurez pas, c'est que Maxence, visiblement, rien ne l'affecte. Il a fait comme ça. Non, moi, c'est juste... J'ai une console. Non, t'aimes pas l'école? Là, maintenant, j'aime bien, ça va. Oui, maintenant, ça... maintenant que c'est mort. Maintenant que c'est foutu. Non, parce que là, j'ai trouvé une orientation, donc ça me motive. Mais avant, je sais pas ce que je voulais faire, donc ça me motivait pas du tout. Non, mais c'est bien, je comprenais rien au cours. Donc... À 15 ans, c'est rare de savoir déjà ce que tu veux faire. Maintenant, d'être dans un parcours professionnel, c'est vrai, comme dit Yacine, moi, je croyais que ça commençait au lycée aussi. Pas en 3e. Non, mais les golemons comme moi, comme Maxence et moi, on sent le mur se rapprocher. Ouais. Et on se dit, ça va. Ça va, et puis soudainement le 15 juin, tu dis je vais réviser. Et là, ta prof te dit c'est fini. T'avais été collé toi ou pas? Non, je t'ai pas. Alors vraiment, moi je suis un génie. Donc c'est la seule excuse que j'ai trouvée pour justifier ma scolarité. Pas et une moi, colle. Je rentrais dans une classe. Non, mais en plus, c'est vrai, les Arabes et Noirs, on fait pas de théâtre. Franchement, la vérité. Et j'avais deux lieux où j'étais marrant, c'est le vestiaire, où vraiment les entraîneurs, ils me disaient blagueur, bande touche. Et en fait, et le deuxième truc, c'était la classe. Et je faisais des vannes, même les profs, ils chialaient de rire. Et ces bâtards fin mai, je voyais que le comportement, il changeait. Ils me disaient, Yacine, t'y vas, t'y vas. Et à un moment, j'ai trouvé la feinte en cinquième, Maxence, je te dis ça, mais vu que t'es un golemon, tu le sais, devenir délégué. Ah oui. Pour avoir une présence physique lors du conseil de classe et mettre la pression, ce qui ne marchait pas du tout. C'est juste, il t'avoinait devant toi en disant, bon, est-ce que tu peux sortir 3 minutes? Il est nul. Et tu revenais, il y avait écrit nul, nul, nul. Et en troisième, je suis allé en seconde. Ils m'ont dit, fais gaffe, t'as pas le niveau. J'ai dit, mais si, tout ça. Seconde générale? Ouais. J'ai fait 2 secondes générales. J'aimais beaucoup le programme. Les gens ne vont pas vous croire, mais je me suis dit, quand t'aimes bien un gâteau, tu le reprends. T'as fait 2 ans en seconde. J'ai fait 2 ans en seconde. Et à un moment, les mecs commençaient. J'avais l'âge de leur daron, donc j'ai décidé de. Et mes potes commençaient à aller à la fac. Et moi, j'étais en seconde. Donc à un moment, dans les soirées, ça se sentait. Ouais. Je disais à mes potes, venez, on sort. Ils me disaient, on est jeudi, on révise. Oh. Et après, je suis allé en BEP. Et là, ça a été le drame de ma vie, ça par contre. Il n'y a plus BEP, on m'a dit. C'était. T'as vu le film Gangsta Paradise? Non. Non, les gens de ma génération, c'était ça. Je suis arrivé à Compton. Ah oui. Un mec dans ma classe n'était pas là parce qu'il avait braqué la bijouterie de Parly 2 à l'heure du déjeuner. Et j'étais fasciné parce que je me disais, il allait quand même revenir. C'est-à-dire qu'il est parti entre midi et 2. Et son mot d'excuse, c'était braquage de bijouterie. Non, mais après, je te le dis par contre, plus sérieusement, mais tu m'as l'air d'être de cette race-là. C'est qu'à un moment, tu t'es vraiment confronté à des gens qui sont pas bêtes. Mais qui ont des vraies lacunes. Et moi, quand je suis arrivé en BEP, j'étais avec des gens, ils ne savaient ni lire ni écrire, ils ne savaient pas compter. Non, c'était vraiment un truc de ouf. C'est lire, toi, Maxence? Il a hésité quand même. Shoot, reload, que le jargon de Warzone. Alphabet jusqu'à S. Non, mais franchement, mais te mets pas la pression. Franchement, t'as des examens là? Le brevet. Ah, le brevet. T'as un brevet là? Le brevet pro. Brevet pro, ouais. Coloriage. Ouais. Oh, t'as débordé. T'as dépassé. Non, mais t'as des frères et sœurs? Ouais, une sœur, ouais. Quel âge? 17. Et elle? L'élite. Elle est en STMG, je crois. STMG. Ah ouais, moi j'étais là-dedans aussi. Ah ouais? C'était quoi? C'est quoi? STG. STMG. STMG. STT. STT, voilà. Ah, STT, STT. Ouais, c'est STG et pareil. STMG maintenant. Ok, très bien. Tu es ta sœur, par conséquent. Non, je l'aime bien. Je l'aime bien. Oui. C'est elle, la faillotte. Non. Est-ce que ta mère te dit souvent, regarde ta sœur ou pas? Non, jamais. Non, non. Embrasse ta sœur. Non. Quoi? Ça, non, avec ta sœur. C'est à Quimperlé, ça. C'est la Bretagne. T'as grandi où, Maxence? De quoi? T'as grandi où? J'ai grandi à Lorient, en Bretagne. Pas loin. T'es l'élite. Putain, Quimperlé. Ouais. Mais non, mais moi. De quoi? Quoi? Moi, je suis de Quimperlé. Oui, je suis de Quimperlé. Il s'en fout. Il vient de Lorient. Bah soit t'es un jeu et il s'intéresse à toi. Mais si t'aurais pu finir dans le. Mais non, mais on est à 20 minutes. Voilà. T'es vampire aussi. Du tonton. T'as fréquenté les mêmes cimetières. Sympa. C'est quelqu'un qui connaît le podcast. Je t'ai peut-être tu sais.
Quoi? Le sang, le sang. Vampire, ça va pas. Vampire. Kino, on a des remplaçants. Il va vraiment regarder. On a des remplaçants aujourd'hui. Maxence, on t'applaudit, bravo. Donne le micro à côté. Toi aussi, t'es de Lorient? Ouais, moi je suis de Lorient. C'est ouf comment vous ressemblez, les mecs de Bretagne. On dirait des mini Kino. Comment tu t'appelles, toi? Martin. Tu fais quoi dans la vie? Bah, moi je suis en troisième normal. Et cela raconte. Troisième, pas Gaulmont. Martin, c'est vraiment ton pote bâtard. Vas-y, Maxence, va avec tes Gaulmont. Ouais, ouais, on fera genre, on est potes. Eh, tu t'assois pas à côté de moi à la cantine. J'ai une réputation. Donc, toi, ça va, t'as une bonne moyenne? Ça va. Combien? J'ai 13-14. 13 ou 14, c'est pas la même chose. 13, plus 13. Ah ouais, ça baisse, plus 11. Ouais, bon, 13, ça va. 13, ça va. Tu sais bien. Et l'année prochaine, seconde générale? Ouais, c'est ça. Ah, je t'annonce. Hein. Je sais que c'est plus dur, ouais. Ouais, ouais. Ah, bah là, moi, seconde, dès les premières semaines, j'ai compris que c'était pas du tout. Moi, j'ai eu des fous rires. Quand je lisais les trucs, je disais, pardon, madame, mais je crois. C'est pas le bon programme. Il y a un X, il est tout seul. Ah ouais, ça c'est les maths. Les maths en moi, seconde générale. Des... Oh là là. Non, mais attends. Ah ouais, alors par contre, ça. Là maintenant, je savais que ça allait me rattraper. J'ai deux filles adolescentes. Et je me disais, jusqu'en quatrième, troisième, non, allez, quatrième, je suivais. Là maintenant, elles m'amènent, elles me disent, ouais, les maths, je comprends, hop. Hier, je vois ma fille en train de réviser ses maths. Je passe ma tête au-dessus de son épaule. J'ai vu X. Ah ouais. Oh, le X. Il faille faire un malaise. Je dis ah. X. Comme ça, je fais ah. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis ah, ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais. Elle m'a dit tu peux m'aider. J'ai ma fille. On va appeler des gens qualifiés. Moi, un X tout seul, il faut qu'on lui trouve des parents. Petit X en caisse centrale. Attends, ses parents. Mais X, il lui trouve. Y. Ouais, Y. Parenthèse. Ouais. Dénominateur. Et il y a des et mots. Des fois, t'avais le résultat. Non. T'avais X, 3 points. Plus Y égale 14. Il fallait trouver les 3 points. Ah non, mais ça. Toi, t'es là, bah. X, Y, X plus Y égale 14, c'est hyper dur à trouver quand même. Mais c'est impossible. Bah, oui. Tu mets. 2, 8 et 6. Voilà, ouais. Ça fait 14. Dans ce c'est peut-être ça. Podcast de prix Nobel de mathématiques. Abscisse et ordonnée. Oh, oh, ça, j'aime bien. Ça, j'aimais bien. Ah non. Abscisse ordonnée, j'aimais bien. Mais là, c'est vrai que le gap entre. J'avais l'impression de jouer à toucher couler. V7, j'ai. Le gap entre la 3ème et la 2ème, c'est chaud. Moi, quand je suis arrivé en 2ème, monsieur Nicole, lycée Viala Lacoste, je lui souhaite la mort. Provence, il nous faisait un truc très dur et à la fin de l'année, il nous a dit ouais, je vous ai fait très dur pour qu'au bac, ce soit plus facile. Ce qui est vrai, parce que j'ai eu la moyenne au bac, alors que j'ai eu que des 3 toute l'année. Ah ouais, ouais. Moi, je vois pas l'utilité d'aller à l'école si c'est pas pour y faire des frises. Des frises. Moi, les frises, tout ce qui était frises. Frises chronologiques. Voilà, j'adore. Ah, les frises. Toi, tu parlais des glaces. Ah, ça, non. J'adore. Les mystères frises. Non, non, mais c'est fou, hein, parce que en plus, tu le prends personnellement quand t'es arabe d'être pas bon en maths, parce qu'on les a quand même inventés. Ah oui. Une fois, il y a une prof qui me l'a c'est dit. C'est ce qu'on dit. Ouais, oui, si, c'est nous. On dirait que c'est un nous. Un vélo volé, si, plus un vélo volé, égale Mourad. C'est pas le zéro. Les Arabes ont inventé le zéro. Voilà. C'est pour ça que vous en avez autant. Allez. C'est la pire. On continue. Et le prochain, on l'applaudit. Voilà. Martin, plus sérieusement, est-ce que tu as déjà parlé à un arabe? Vraie question. Bah oui, j'ai des potes arabes. Genre? Rien. Bah, genre ce qui me tape. Genre plein. Genre qui? Celui qui me tape. Bah, c'est quel mes potes. Quelle bonne pub pour le harcèlement à l'école. Arrête, l'ordi. Vous êtes trop mes potes. Viens, vas-y. Maxence, viens. Ramène Maxence, le marteau. Ouais, on est tous des Gaulmont, on n'est pas des Gaulmont. Comment vous êtes rencontré avec Maxence? On était dans le même collège avant. Ah ouais? Bah avant qu'il aille en 3ème pro du coup. Ah t'as muté? Ouais, il a changé de collège du coup. Putain, c'est fou, il a mué et muté la même année. Toi Martin, t'es heureux dans la vie ou? Ouais, ouais. Tu veux faire quoi toi? Moi je vais faire commando marine. Ouh là là. Commando marine. Là, faut faire de la muscu, je te le dis. Bon, j'ai 15 ans maintenant, mais ça va. Excuse-moi. Là, 13 ans. C'était une blague très drôle. Commando Marine. Visuel. Je vais le montrer soon pour ceux qui ne. Voilà. Oui. Non, Commando Marine, c'est. Ça, et pourquoi? C'est Call of aussi, ça? Oh non, pas que, je sais pas, pas ça que. M'intéresse. Pas que. Putain, ils sont stylés, les. Mon meilleur pote. Bah, je voulais être pombier, comme Mario, mais. Julien Tofanelli, mon meilleur pote à l'époque, voulait être commando marine.
mais très très dur. Il est CRS maintenant. Il a échoué à ça, tout. C'est drôle, ça. Donc sache que si t'échoues à tout, t'es CRS. Voilà. Mais c'est très dur. Je vais pas faire CRS moi. Non, mais c'est... ça c'est vraiment, c'est en dessous troisième pro. C'est vraiment comme plus personne. Contre, et t'arrives à l'examen, faites ça. Faites ça en disant sale gauchiste. Non mais commando marine. Tenez la matraque, c'est bon, vous êtes pris. C'est l'élite, hein, c'est l'élite commando marine, c'est vraiment. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'aimerais bien faire partie du coup. Ah ouais, c'est pardon les deux là. De vous avez 15 ans, vous êtes hyper mignon. Et je parle de ça au lieu autour de cette table. Tu te souviens de l'emploi que tu voulais faire quand t'étais totalement inconscient et ce que t'es devenu dans ta vie. Ouais, moi, je voulais être, je m'en souviens, j'ai retrouvé un truc, pilote de ligne. Ouais. Ils m'ont dit, j'ai dit, ah non. T'avais noté, pilote de ligne parce que j'avais dans la fiche d'orientation. Ouais, ouais, j'avais écrit pilote de ligne. Et en sixième, ils ont dit bon. Oui, et après... Non. Et d'ailleurs, l'un des... T'as bien fait parce qu'aujourd'hui, tu serais soupçonné à chaque vol. Non, mais j'imagine. Mais c'est moi le pilote. Le pilote de ligne. J'ai pas eu la moyenne. Je serais comme le mec là qui a dit what? Le mec là, avec le vol là qui a redémarré, ouais. T'as pas vu quand ils ont on nous entend plus, on a juste entendu what the fuck. Ils ont dit ah non mais mec, t'as pas vu cet avion là pendant le mot, j'étais en cavale, il y a un avion qui devait atterrir et en fait les deux pilotes se sont visiblement embrouillés, ils ont enlevé le pilote automatique, ils ont mis le pilote manuel, ce qui se fait jamais, et en fait le mec il a en aviation, tu remets les gaz pour, ça veut dire que tu devais atterrir et pff, il est remonté et à un moment ils ont décroché, donc tu as ce qu'on appelle comment ça, les la masques tour qui tombent, le tour opérateur. Ah oui, d'accord. Rien non, la tour de contrôle. Tour de contrôle. Tour opérateur, c'est pour les voyages. Ça. Ah oui, bah, ah oui. Mais putain. Il faut que jamais que j'écoute. Le tour opérateur, ils disent vous allez à Cancun. Et donc il y a la tour de contrôle. Et ils ont juste décroché. Et donc on a entendu ce qu'ils disaient. Le pilote à ce moment-là, il devait être en train de tirer comme un bourrin. Et t'entendais juste tiens là, je vous rappelle en sueur. Et visiblement là c'est horrible parce que vraiment les avions, c'est ce qu'on dit souvent, ne mentent pas. Et donc ils sont en train de découvrir dans une enquête, il va être viré le mec. Ah oui, la boîte noire. Bah, c'est comme c'est horrible. Ouais. Je déteste raciste, parler des avions, mais alors qu'elle est orange. Il y a l'un noir. Des, je me souviens plus celui qui s'était enfermé dans le cockpit. Lubix, qui a plongé l'avion là dans le. Qui a montagne. Foncé le mec, ouais. Dans la montagne. Alors, en fait, son copilote, vraiment, je crois, il était avec une meuf. Andreas Lubix. Ah ouais. Ouais, le copilote voilà, était avec une meuf et il est venu et il a frappé à la porte. Et l'autre, il était visiblement, il avait des problèmes lui avec sa meuf et il a foncé dans une montagne. Et en fait, c'était horrible parce que dorénavant, il a écrasé l'avion dans les Alpes. Ouais. Andreas Lubitz. Voilà, c'est ça. L'allemand, voilà. Ouais. German Wings. Grosse déception, CNews, de savoir que c'était un Allemand. Ah oui, ils ont tout de suite dit, ils ont enlevé le bandeau. Ils ont même, ils sont attaqués au steward marocain. Je donne des gâteaux. Mon cher Martin, qu'est-ce que tu voulais faire, toi, jeune? Ton emploi d'élite. Moi, vampire. Je mettais. Non, acteur, je mettais. Ah ouais, ouais. Ah, c'est déjà petit. C'est pas ouf, ça peut encore arriver. Mais j'ai tourné dans La Petite Histoire de France. Le rêve a été réalisé. C'est vrai qu'acteur, c'est vaste. Hein. Bah oui. Le truc de Jamel, là. Ouais. M6, là. Ouais, je fais un esclave dedans. Le Kaamelott raté, là. Oh. Ouais. Mais dedans, tu ressembles à Russell Crowe. Ah, merci. Non. Ah, c'est vrai, un petit peu. Ouais. Russell Crowe Nambour. Thomas, ton métier d'élite. Moi, très jeune, je voulais faire journaliste. C'est ce que j'ai fait et j'ai arrêté. Donc du coup, il y a des articles. En fait, quand le rêve il est réalisé, après tu te dis, c'est pas ouf la vie. Hein. Non, mais moi, c'est ma mère qui me dit, en plus, quand j'étais petit, je regardais le JT de 20h et je disais, je veux faire ça. Patrick Bourra, grand reporter à TF1. Oui, heureusement que tu disais pas ça en regardant PPDA. Je veux faire ça, là, avec les femmes. Grand reporter de guerre, Patrick Bourra. Et j'étais fan des reporters de guerre et tout ça, je voulais faire ça. Et toi moi aussi, je crois que j'avais écrit ça, reporter. Non, non, quel vite, il a tellement pas de réponse. Non, j'avais écrit ça et la prof de français, elle avait dit à mon père « Il croit qu'il va présenter le journal de 20h !» Mytho ! Si, je jure. Tu jures, toi, t'étais tellement dans des écoles cheloutes, la maîtresse, elle devait dire « Fais un dessin, Soun. Dessine-nous ton métier. Tu veux faire, tu veux faire mouton ?» Il y a un prof bien raciste, non ? Ouais, un peu. Le prof, quand il a vu Harry Roselma, qui dit « Oh, putain, il y est arrivé !» Elle devait être dégoûtée, ce genre-là. Non, mais c'est bien... C'est bien, Martin, je suis fier de toi. Si tu vas au bout de tes rêves, écoute, c'est une chanson de Goldman. De Goldman. Tu connais pas Goldman ? Non, je connais pas. Non. C'est comme Jules. Mais oui. Oh, c'est Jean-Jacques Goldman. Qui a plus de textes. Merci à vous deux, merci. Je vais voir derrière, la dame. Non mais attends, l'autre il va tuer son pote. Oui, vous madame. Le commando. Bonjour madame. Bonjour madame. On saute une génération. Comment Complètement. Comment vous appelez madame ?
Hollande. Vous êtes en quelle classe? Hollande. Hollande. J'allais faire une Hollande. Roland. Ah, Roland. Roland. Attention, roulez. Roland. Voilà. Quoi non, vous êtes de quelle région? Oui. Il y a un accent là. Du Var. Ah oui. Ah. Résultat de Marine Le Pen, 88%. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et elle, j'en suis pas fière. Oui, Roland, je crois que c'est la seule qui a voté à gauche. Quand elle sort de l'isolat, tout le monde dit « Oh, Roland, tu vas niquer nos stats !» C'est comme tout le monde. On peut pas, on allait faire 100%. Qui a pris un bulletin Mélenchon, là? Qui a pris un bulletin Mélenchon? Je veux quand même... Il y en a que deux qui sont partis, là. La pile n'a pas bougé depuis ce matin. C'était Roland. Le Var. Ma chère Roland, tu m'as l'air déjà magnifique, je vais te tutoyer. Toi, tu as fait quoi comme métier? Enfin, tu fais quoi? Travaille toujours? J'ai arrêté là. Et c'était quoi comme boulot? Employé de banque. C'était ton rêve de petite fille? Non, pas tellement. Ouais, tu vois, là. Ouais, c'est fou parce que ce taf, il n'y a personne qui en a rêvé. Il y a eu, y a eu des braquages? Oui. C'est vrai? Mais moi, je travaille au siège social. Donc, moi, oui, j'ai quand ils sont venus, Roland, elle a dit il n'y a rien à tirer. Rien à... Chez nous, il n'y a c'est rien. C'est en face. Roland, elle leur a dit vous tombez très bien. Voilà des petits fascicules si vous voulez ouvrir un compte chez nous. Ah ouais, braquage et tout. Ben, dans les agences, oui. Mais vous, vous n'y étiez pas? Non. C'était pas vous qui braquiez? Non, non plus. Quelle banque, Roland? Crédit Agricole. Ah non, là, je l'ai dit aux braqueurs, hein, je connais des braqueurs. C'est une banque, tu repars avec des radis et tu repars avec... tu repars avec des agios. Ouvre le coffre et donne-moi 8 poireaux. Donc combien d'années dans cette banque? 40 ans. Ah oui, ah, super. C'est vous qui avez créé le Crédit Agricole. Non, pas tellement. Quasiment. Non, mais c'est votre fils à côté, enfin c'est ton fils? C'est mon neveu. Ton neveu? Ah d'accord, d'accord. Très visiblement sorti tantin. Eh oui. Oui, et comment tu l'as connu? À la banque. Il est arrivé un jour comme ça dans ma vie. T'as quel âge toi? Le neveu. 36. Ah ouais, ouais. T'es le fils de la sœur de Roland ou du frère de Roland? De la sœur de mon mari. D'accord. Ah, c'est pas neveu quoi. Par alliance. C'est neveu deuxième choix. C'est pas deuxième choix. C'est neveu. Tu mais l'aimes? Pas... Tu l'aimes? Bah, oui. Oui, oui. Je serais pas là avec lui. Non, bah. Écoute, vous êtes du Var tous les deux? Vous êtes de passage à Paris? Oui. D'accord. T'es d'où dans le Var? Draguignan. Avignon, Draguignan. Draguignan. Ah oui, bah excuse-nous avec ton accent. Roland. Avignon, c'est Vaucluse. Oui, voilà. Avignon, non, c'est. Voilà. Var 83, Vaucluse 84. C'est dans quelle ville on joue pas? Draguignan, on joue? Non, non, on joue pas dans le Var, non, on n'est pas suicidaire. Ah non, non. Non, c'est vrai que là, il y a une tournée. On joue à Montpellier, par contre, demain, donc venez. Oui, venez, là ça va, on maîtrise. Mais vous avez joué dans les Alpes-Maritimes? Ah oui, à Nice. Oui, voilà. J'en garde un très bon souvenir. Mon neveu. Oui, ils m'ont dit, ils vont faire exploser le théâtre. T'es venu à Nice? Ah, t'es venu? Roland, t'es pas venu voir mon spectacle? Non. Je te rappelle, franchement, oui. Viens, ça va te rappeler Raymond DeVos, je te jure. Ou Fernand Rayon. On vient à Marseille à la rentrée. C'est quel ton humoriste préféré, Roland? Ah, je sais pas trop. Gaspard Proust? Dans le Var, oui, mais... Ben, je saurais pas dire, non. Coluche, non. T'as aimé Coluche? Bah oui. Non, mais... Attends. Oui, Coluche, oui. Dieudonné. Bien sûr. Dieudonné, ah, pas non. Du tout. Non, non. Tu vois, il n'y a pas que les juifs qui ne l'aiment pas. Non. Bah, peut-être que Roland est juive. Non. Non. Bah non, il n'y a pas de juifs dans le Var. Enfin, si. Mais qu'est-ce que c'est que juillet, août. Juillet, c'est juillet, août à Saint-Tropez. Allez, vas-y. C'est là-bas que se présente Zemmour, d'ailleurs. Oui. Mon rêve. Ah oui, c'est vrai, il se présente. Ça serait qu'il gagne. Saint-Tropez. Non, non, mais mon rêve, ça serait qu'il gagne. Parce qu'il va être le seul qui va pouvoir gagner avec... Alors, il peut passer au deuxième tour, mais il y a peu de chances qu'il gagne. Ouais, malheureusement, il y a peu pas de chances. Oui. Mais mon rêve, ça aurait été qu'il gagne et qu'il se mette tout là-haut. Ouais. Tu sais, l'hémicycle ça. À l'Assemblée. Ah, oui. Et que tout, il fasse le perroquet pendant 5 ans. Genre, le corbeau, il me dégoûte celui-là. Oui. Non, non, mais c'est vrai qu'il est... C'est quand même fou de décider d'ailleurs de se présenter à Saint-Tropez. Moi, je pense que ce serait mieux qu'il soit élu parce qu'il parlerait moins du coup. Il serait plus à l'Assemblée, comme ça on l'entendrait moins. Sinon, je suis même pas sûr. Bah, tu sais, là, je sais qu'il a négocié avec Canal le fait de revenir. Et ouais, Canal lui a dit non. Ouais, bah... Il va reprendre son émission sur CNews. Ouais. En tout cas, celui qui va le reprendre, là, il est couillu. Hein, parce que maintenant qu'on sait ce qu'il pense. Celui qui l'a remplacé est insupportable. C'est hein, qui? Bah, le Québécois. Là. Ah non, Céline Dion facho, là. Ouais, c'est là. Qui dit qu'il aime pas les Arabes, mais plus fort, en parlant plus fort avec l'accent québécois. C'est des islamistes. Oh là. Ouais, revenez, reviens Zemmour, reviens. Reviens. Oh là là. C'est les wokistes. Oh là là. Au secours, au secours. Cet accent, tu dis n'importe quoi. Ah ouais, non, mais... C'est incroyable. Là, il a réussi à rendre l'accent québécois méchant. Alors qu'avant, c'était sympa. C'était Céline Dion, c'était... Tabarnak de Calice de Dembélé.
les caribous. Non. Non. Ma chère Roland, merci. Tu connais pas ce podcast, j'imagine. Pardon. Tu connaissais pas ce podcast. Non, je suis venue parce que j'en ai discuté avec mon neveu. Ça te plaît? Ça fait plaisir. Ça me plaît, oui. Ouais, ça, oui, on est un mélange des grosses têtes et d'un, deux, trois soleils. Si je devais donner. On applaudit Roland, s'il vous plaît, la magnifique. Merci Roland. À toutes les générations. On n'a pas demandé l'âge de Roland par élégance, mais sachez que Martin plus Titouan plus Maxence. Maxence. Et il y a quand même 20 ans de. Bah, 40 ans au Crédit Agricole, si elle est rentrée vers 20 ans, voilà, on est dans ces eaux-là. Quoi. Plus ou moins? Putain, on devrait faire un juste prix des âges. Le juste âge. Il y avait une émission comme ça sur C8 à un moment. Ah bon? Guess My Age. Ah ouais? Ouais, ouais, tu devais deviner l'âge de la personne. Et alors? Bon, c'était pas terrible. Et ça a marché? Non. Visiblement, personne s'en rappelle. Ouais, c'est clair. Beaucoup de temps devant la télé. Merci, c'est un grand moment de radio. Qui n'est jamais venu lever vos mains? D'accord, tiens, on va. Oui, mais vous, on vous a déjà entendu. T'as entendu, mais Maxence, mais t'es... chauve. Mais toi, tu suces des cailloux à l'école. Mais t'as un problème psychologique. Bonjour, mesdames. Bonjour. Comment tu t'appelles? Amel. Ahmed? Amel. Amel. Ah, avec on a failli avoir le premier trans maghrébin. Amel, tu fais quoi dans la vie? Je fais une thèse en immunologie. Oh là là, Maxence saigne du nez. Donc t'es en pro aussi toi. T'es en pro. Immunologie, donc virus, tout ça quoi. Non, pas de virus. Okay, ah, t'es bas. Immunologie. C'est quoi immunologie? C'est sur une maladie rhumatismale. Des maladies rhumatismales. La spondyloarthrite. La quoi? Non, personne. Non. C'est à prendre là, combien de fois par jour? Là, tu n'es pas dans le bon podcast. Faut pas me lancer. Tu vas, tu dégages chez France Culture. Il y aura un mec qui dira, je connais bien. Alors là, vraiment. Mais quelle idée de prendre ça? Comment c'est venu? Attends, bouge pas, je vais te mettre dans le. Bienvenue dans J'ai rien à faire à part des études. Avec nous, Amel, qui a décidé de faire un bac plus 27. Seules 3 personnes dans le monde comprennent ce qu'elle va dire. C'est parti, Amel. Pour soigner les rhumatismes. Tu Même as eu moi, un bac je sais pas. S. Hein? T'as eu un bac? Un bac S. S. Combien? 14. Mais je l'ai pas eu ici. Tu l'as eu où? En Algérie. Ok. Oh! Bac S. Correspond à bac pro, quoi. Bac S. Bac S. Bien joué. Bien joué. Ah, oui. Van de Kino. Voilà. Ici, on vole pas les vannes. Mais il n'avait pas l'accent. Voilà. Van de Kino en impro. Kino qui sera le 1er juillet au théâtre de 10h. Oui, mais attendez. Maxence, intéresse-toi à ce qu'elle dit. Jamais. Voilà. Et donc là, bac S en Algérie. Et tes parents te disent il faut que tu quittes le pays. Exactement. Voilà. Il faut que tu fasses des études, que quand les gens ils disent, oh là là, elle est là longtemps. Et là, tu as pris carte de séjour de 30 ans. Non, pas encore. Et donc, tu choisis. J'ai fait ma licence en Algérie de génétique. Je suis venue ici, j'ai refait ma licence et puis un master en immunologie. D'accord. Ok. Tout ça, ça fait combien d'années d'études? Au fait, j'ai fait aussi un an d'architecture, puis j'ai changé. D'accord. Ouais, Amel, qu'est-ce qu'elle a, en fait? Je connaissais, je savais pas. J'ai 44 ans. Et j'ai vraiment. Là, j'ai 27 ans. Je suis ravi de commencer au mois de septembre à BTS. Action Co. Tout est Co. Et le partant d'en Algérie. Oh là là, stops. Je suis devenu prof de sport à Nanterre. Donc, quel est ton métier? Comment ça, quel est mon métier? Non, mais personne. T'es encore en études là? Oui. Oui, ça donne lieu à quoi? Médecin? Non. Doctorant. Ingénieur. Docteur. Mais c'est pour docteur, faire quel métier du coup? Oui, mais donc. En fait, je sais pas. Peut-être faire de la recherche ou aller dans le privé. D'accord. D'accord. C'est très précis. Très vague, hein. Ouais. Privé ou public, je sais pas. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre valeur ajoutée à l'humanité quand t'es docteur en. En immunologie. Fuminologie. Fumigénologie. En immunité. Et donc trouver des. Des vaccins? Non. Je travaille pas sur les virus. Excuse-moi, c'est franchement, là. Ça fait deux fois qu'elle le dit et commence Amel, excuse-moi. Hein.
mais je ne vois pas ce qui te différencie de Maxence pour l'instant. Franchement, là, je sais que... T'arrives même pas à trouver ce que tu dois trouver. Oui. C'est quand même bizarre à mettre. Bah, c'est ça, oui. Comment veux-tu trouver un truc, faire de la recherche, si ouais. t'as pas compris pourquoi tu vas à l'école? Quand il va, de quoi vous parlez? Mais elle aussi, elle a des outils dans sa trousse. Oui. Non, vrai. Non. Un bistouri. Vas-y, amène. Des ciseaux. Des ciseaux? Des ciseaux, ouais. Pour faire les découpages de la... Ma tête, attends, c'est un cœur. Je te jure. Rémi, est-ce que tu peux regarder qu'est-ce qu'elle fait comme étude? Bah oui. Elle a pas compris. Donc, c'est des études immunologie. Alors, j'ai fait biologie, c'est de la biologie, mais moi, ma spécialité, c'est en immunologie. Et du coup, je travaille sur cette maladie et je travaille sur les rats. Voilà. Tu voulais le détail. Amel, coup, quand oui. tu dis cette c'est ça que tu dis à la préfecture toutes les semaines. Et au bout d'un moment, il leur dit, bon, allez, c'est bon, tenez votre passeport. Revenez allez. Dans 10 ans. Il y a ce que je peux vous dire, il y a des rats. Et moi, je les soigne. Ils ont des rhumatismes. C'est des rats qui viennent, qui disent, oh, j'arrive pas à m'asseoir. Ah, oh là là. Non, monsieur Splinter, je vais vous mettre du Doliprane. Amel, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Nous, on va pas te balancer. Mais bienvenue en France. Merci. Derrière, je les connais pas. Ah si, si, on les connaît. Okay. Mais c'est Bledman. Musique. Musique de Bledman. J'avais préparé, Nico. Capitaine Bledman, tu n'es pas de notre espace Schengen. Bienvenue. Et tu viens de chez Amel. Capitaine Bledman. Quel plaisir de te revoir. Plaisir ouais, partagé. Tu as dû comprendre ce que fait Amel dans la vie, car tu as fait LV1 sable. Ouais, un petit peu. Tu es blédard, je le rappelle. Oui, mais je suis né quand même à Paris. Oui, ah et oui. Malgré ça. Malgré ça, oui, j'ai un accent. J'ai trop traîné à Barbès. Qu'est-ce que tu nais à Barbès? Mais je suis né dans le 18e en plus. Voilà, c'est vrai. Ouais. Sous Tati. Vraiment une histoire de tata et de tonton. Bichat. Ah, Bichat. Oui. Ah oui, d'accord. Bichat. Ah, vraiment à Barbès, quoi. Ah non, c'est à 18. Barbès, c'est quoi l'hôpital de Barbès? C'est là. Tati. Sainte-Anne. ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui, vous étiez pas là depuis 2 semaines. Et entre temps, comme je l'ai déjà dit, en fait, si je viens tout le temps, j'ai plus rien à écouter au travail. Et comme je suis à la sécurité sociale, il faut que je m'occupe un peu. J'imagine que c'est ce genre d'individu qui a je rigole, la sécurité j'adore sociale. La sécu. Hein? Non, je rigole, j'adore la sécu, mais c'est vrai que comme c'est un travail de bureau, faut que j'ai quelque chose à écouter pour est-ce que t'écoutes des choses même quand il y a des gens en face de toi? Non, c'est souvent comme ça là-bas. Ça m'arrive. Non, je tenais juste à dire un truc. Il y a la série Ousekin qui est sortie. Oui. Qui est incroyable. Franchement, je la conseille parce qu'elle met en lumière une affaire qui est douloureuse et qui en fait est une grosse injustice. Du coup, voilà. C'est halluciné ? Ok, on en est pas hier, mais si tu veux. Ouais, oui. Mais j'ai pas écouté. Alors, j'ai appris hier. Que Rachid Boujareb voulait aussi faire un film sur Ousekin, ce d'accord. qui est quand même malheureux. On va se retrouver dans la même physionomie qu'Ilan Halimi, tu te souviens ? Au Festival de Cannes, il y a un autre film. Qui parle d'Ousekin aussi. Oui, c'est pas drôle. Oui. Là, voilà. Non, c'est vraiment excellent, t'as raison, cette série. Non, la série sur Disney, elle est vraiment incroyable, on en a parlé hier, donc t'écouteras le podcast, mais c'était un moment fabuleux. Mais surtout, sur l'affaire Ilan Halimi, la grande tristesse, c'est qu'il y avait eu 2 films Ilan Halimi au même moment. En même temps, ouais. On avait eu un de Richard Berry et l'autre de Arcadie. On n'a vu aucun des deux. Si, j'ai vu celui, parce qu'il y a Steve Tien-Cheu dans celui de notre ami, celui de Richard Berry. Et c'était assez sorti. Il joue le rôle d'Ilan Halimi ou pas? Non, malheureusement non. Mais heureusement ou malheureusement, je sais pas. Mais surtout, ce qui m'avait frappé, c'était qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur le fait de faire un film. Ouais, en plus que ça sorte en même temps, quoi. Bah oui, c'est ça qui est le plus gênant. C'est pour ça que je comprends pas la fainéantise de. Il y a une bonne série où c'est Kin. Je vois pas pourquoi on va rajouter un truc. Peut-être, c'est un peu de l'ego de réalisateur. Peut-être qu'il veut s'approprier l'histoire, en faire. Non, mais en plus, Rachid Bouchareb, c'est un bon réalisateur. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu pour parler de choses sérieuses. T'es amoureux ou pas? Non. Toujours pas? Non, pas vraiment. C'est qui la dame avec toi? C'est ma pote, mais c'est aussi mon ex. Ah oui, encore? Que, ah tu bon fais ça, tu traînes avec ton ex, tu me dégoûtes. Bah, elle aussi, du coup. Comment elle s'appelle?
Emmanuel. Voilà. Bonjour Emmanuel. Qui nous dégoûte aussi. Bonjour. Emmanuel, super. Belle intro pour parler à quelqu'un. Tu fais quoi dans la vie, Emmanuel? J'ai eu ma licence, ensuite j'ai bossé pendant 2 ans et là je cherche un master. En immunologie. Tu cherches un master? En immunologie. Immunologie. T'as eu une licence de quoi? De socio. De socio, ah ouais. Ah, sociopathe. Non, socio. C'est comme ça qu'on tue. C'est, comme... c'est toi le sociopathe. Oui, pardon. Ah, il n'y a pas de taf en socio, change. Non, non, mais en plus, ouais. Je vois très bien ta fac là. Ça, c'est le début de... des insoumis. NUPS. Ouais. C'est NUPS, ça. C'est les facs pour tu. Tu y vas pieds nus, non? Pieds nups, hein? Pieds nups. On a bloqué, pieds du coup, nups. On était à l'aise. Pieds nups. J'avais pas vu la vanne. Pieds nups. Fais voir tes pieds. C'est bon. T'as des pieds nups. Bon, c'est nul. On arrête, on arrête. J'ai vu, moi, vraiment, à la fac de lettres à Aix, il y avait des gens qui arrivaient. Pieds nus. Ah, pieds nus. Mon avec... bon, rêve, ça aurait été. C'est un truc qu'on connaîtra jamais avec Maxence. Diabolo. Mais mon rêve, c'était d'aller à la fac. La fac de lettres, c'est. Ouais, ouais, n'importe quelle fac. Non, mais c'est pas du tout les mêmes ambiances. C'est que moi, j'ai fait. J'avais dans mon coin, donc fac d'écho, c'est un peu la fac, bon... Allô, allô, des, voilà, allô. Ah, t'as fait un écho, là? Ok. C'est très, tu veux, il très... y a le podcast de Kian Kojandi. 1er juillet, au théâtre de 10h, Kino. La fac de droit, donc, que des mecs en costard, un peu facho, même beaucoup, parce qu'il y avait les meetings du FN dans la fac de droit, et fac de lettres... Fac de droite. NUPS, oui, voilà. Fac de... Moi, j'ai fait fac d'infocom. Donc, les facs, c'est vraiment, il y a deux salles, deux ambiances, hein, même plus, hein. Tout le monde s'en bat les couilles, ok. Voilà. Allez, vas-y. Donc Emmanuel, vas-y. Alors tu. Emmanuel, t'es sorti combien de temps avec Captain Bledman? C'était presque 2 ans. Presque deux ans. Ah ouais. Tu regrettes pas d'avoir quitté une star comme ça? Il est devenu une star. Ouais, mais des fois j'écoute ce qu'il dit et il vous mytho. Il vous mytho. Ah ouais. Ah ouais. C'est fou, tu passes socio, tu sais pas conjuguer un verbe. Il vous mytho. Bah, il vous mytho. Il vous plante. Trois mythos. Bon, voilà. Il ment sur quoi? Non, mais quand il dit qu'il fait le ramadan, il le fait pas. Oh oh oh, ah ouais, ça balance. Alors, dur, ça, c'est ouais. Pas le bon podcast, mais ouais. Va le dire à son imam. Il va l'envoyer en enfer direct. Ah ouais. Quoi d'autre? Oui, nous mytho. Eh, il dit qu'il a tué personne, mais. C'est horrible, ça. Dis-nous, quoi. Et en fait, il est espagnol. Mais il fait croire qu'il est très gentil et tout, ça boit tous les soirs. Non, ça sent. Captain Bledman a forcément un fond de colère. Oui, oui. Il s'énerve vite ou pas? Pas du tout. Alors, tu vois, Captain Bledman, t'es vraiment un personnage à part entière. Yacine non plus. Non, non. Non, non, mais moi j'aimais bien. Tu me rappelles un dessin animé que j'aimais bien quand j'étais petit, Captain Planet. Captain Planet, tu te souviens pas? Ils avaient une bague et pas du tout. Captain Planet, il sortait, c'était un espèce de héros. C'était Julien Bayou, quoi. C'était un mec écolo qui arrivait, qui voulait refaire la planète et tout. Ah oui, d'accord. Ça fait quelque chose. C'est nul, hein? Ouais. Ça donne pas envie, là. Non. France 3. Ah bah, France 3. 19h. Ah oui, alors c'est ma mère qui me dit: t'es sûr, t'as pas dit devoir? Ouais. On va prendre le Captain Planet. Et là, mon père, il arrivait, chassé dans le dos. Et il me disait, et donc j'étais obligé d'aller dans ma chambre, faire genre, je faisais des devoirs alors que. Avec cette là. Tu veux être pilote de ligne? Non, non, c'était pas ça, mon père. Je l'aime pas, ce PD. Là, il disait: j'ai faim! Et là, on lui a amené à manger. Alors, merci beaucoup pour Captain Planet. Ça donne envie que Captain. Mon fils, il m'est arrivé un truc, je suis obligé de vous le raconter. Mon fils, il a 7 ans. Et mes filles, je ne suis pas trop intervenu dans leur scolarité puisque c'est des filles. C'est très sérieux, les filles à l'école. C'est pas une légende. Mais mon fils. C'est genre, il a des bonnes notes, mais il est un peu, tu sais, je lis, il a du mal à se concentrer. Il m'est arrivé un truc, seuls les gens qui ont mon enfance vont comprendre. Sa mère me dit: ouais, tu t'impliques pas dans son éducation. Je dis: ça va, on est en mai. Il redouble ou il redouble pas? Il dit: non, il passe. Je dis: c'est bon, il passe. Mais je vois que mon fils, quand il lit, il est en CP. Ah, d'accord. Et quand il lit, il est un peu, il est pas en retard, mais il prend vraiment son temps. Et je lui dis: viens à côté de moi, je commence à lui dire: non! On lit pas comme ça. Et là, je me dis: putain, gars, t'es ton daron. Et je me souviens que j'ai une très belle écriture parce que c'est mon père qui m'apprenait à écrire et il se mettait à côté de moi. Mon père, il passe 140 kilos. Coup de pression. Non, non, coup de poing. Ouais, d'accord. Je me souviens, il mettait des baffes dans la gueule. Et tu sais, vraiment, qui a vécu ça? C'est surtout les quinfres qui ont vécu ça. Ouais, c'est vrai. Bah, que les Romains. Ouais. Mais de... Et il y avait des gouttes très cliché, y a sur les le papier. De sang. Ça veut dire le lendemain, quand j'arrivais en cours, je m'en souviens bien, quand j'ouvrais mon cahier était mouillé parce que mon daron... C'était collé, quoi. Hein, c'était collé, les pages. Non, bah non, c'est pas ces gouttes-là, espèce de gueule. Non, c'était pas...
C'était pas du tout ça. Non, c'est toi tout seul, Yacine. C'est pas bon. Ça a qu'à parler, ça. Il y a que les mecs de Lorient qui ont galerie. Dans le livre d'histoire. Et ceux qui avaient les trous de boulettes aussi. Ah non, moi je n'ai pas du trou de boulettes. Mais qui révise en fumant un bédo? Putain, j'ai rien retenu. C'est ton histoire. C'était quand Marignan 1500 boulettes. Non, mais je me suis découvert avec mon fils une nouvelle pédagogie. C'est-à-dire? Bah, en fait, c'est vrai que sa mère m'a dit, quand t'es là, il apprend plus vite. Et c'est indéniable que quand t'as des garçons, le fait que le père fasse les devoirs, ça va plus vite que la mère. Et bah, reste avec lui alors, au lieu de t'embrouiller dans la rue, va faire ses devoirs. Non, mais tu vois là, parce qu'il a eu une obsession, et ça c'est le problème, par contre, je le dis pour les parents, il était en mode, il est passé de Mario à Pokémon. Et en fait, le gros problème... Ça coûte aussi cher. Ça coûte plus cher. Non, mais c'est pas une histoire d'argent. C'est qu'en fait, je crois qu'il allait à l'école pour parler que de Pokémon. Et c'est très dur, je voulais saluer les parents qui font ça, d'occuper l'esprit de ton fils autre chose que la mode qu'il y a à l'école. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression, quand on était jeunes d'ailleurs, pour parler comme des vieux, qu'on était aussi obsessionnel sur un sujet. Moi, non. Mais Y avait des modes passagères. Moi, j'avais eu les Toupies Beyblade. Les Toupies Beyblade. Les Toupies Beyblade. Beyblade, mais c'est pas c'est récent, ça. T'es allé à l'école encore il y a 2 ans, tu vois. J'ai eu mon bac hier, ouais. C'est hyper non, non, mais les toupies... Non, c'est vieux, Blade. C'est vieux, hein, les toupies Beyblade. Beyblade, c'est vieux. Ouais, c'est vieux, ouais. Après, il y a les schlingers. Ça a 5-6 ans. Les schlingers, je connais pas, ça. Roland, c'était quoi l'obsession quand t'étais à l'école, toi, petite? Les billes? Les cailloux. Pardon. Pardon, Roland. Je suis désolé. C'était quoi, Roland? Roland, c'était quoi? La mode de l'époque? Un jeu qu'il y avait à l'école? La marraine. Les gros problèmes de l'emmener en classe. Marel, les billes, ça c'est intemporel aussi. Ouais. Les billes, toujours, ça a toujours été. Les billes, non, moi j'ai. Il y a eu les hand spinners. Ah oui, les billes. Ah, les hand spinners, ouais, ça c'est récent. J'en avais acheté plein, moi. De quoi des Les hand spinners, j'adorais. C'est quand même un truc de merde, ça. Juste ça tourne. Non, mais t'avais des tricks, je le mettais sur mon nez. Waouh. Okay. C'est fou parce que là, on a vraiment l'image d'un mec, ça va pas fort. Une démonstration dans le prochain podcast. Imagine, ça sonne, il est tout seul. Regardez les gars. Je suis un phoque. C'est un début de serial killer. Je vais m'envoler. Je vais m'envoler. Merci en tout cas, merci Emmanuel. Allez, encore des auditeurs. Est-ce qu'on fait rentrer de nouveaux chroniqueurs? Ah oui, on a du monde là, on a dit deux types. Mercato. Voilà. Moi, j'y vais. Changement, couleur pour couleur. Wita et Silver. Non, bah c'est pas la même couleur pour les deux. Merci Kino, merci Soud. Merci. Les 30 Glorieuses. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan. À quel moment on a pris le générique de GTA? Mais je sais pas. C'est vrai que c'est le générique de GTA. On a des vrais jingles. Ouais, ouais. Wita. Voilà. On applaudit Wita et Silver. Merci. Bon, toi. Ah, c'est férié, tout le monde est là. Hein. Ouais, qui t'a appris à faire, à écrire? Écrit ou quoi? Je parlais avec tes parents. Ils sont investis dans ta scolarité ou pas du tout? Oui. Mon père, oui. Il te frappait? C'est mon père qui m'a appris à écrire et tout ça. Oui. Mais c'est surtout apprendre à se débattre avec un crocodile. C'est une autre forme d'éducation, presque. Là, c'est vrai, il t'apprenait à écrire, à lire. Oui, mon père. Tous les soirs? Non, pas tous les soirs, mais de temps en temps, oui, c'est mon père. Des bâtons comme ça dans la terre. Non, mais pas du tout. Mais j'ai jamais vu ça. Tu crois quoi, toi? C'est trop raciste, vous dites. Même avant que je parle à l'école, mon père, il m'avait appris à compter, à faire des calculs, tout ça. Donc, j'étais vraiment fort en calcul. En calcul? Oui. Non, moi, j'ai un souvenir, mon père, pas... Après, c'est des ouvriers et tout, c'est pas un reproche, mais je... Toi, Sylvain, tes parents? Ouais. Mon père, il me faisait. En fait, il avait un... comme il travaillait avec les banques, il avait genre les ramettes de papier là, que tu mets dans les photocopieuses. Il en avait plein. Il nous faisait des calculs 1 plus 1 égale tout. Il nous en faisait plein. Et après, il nous laissait avec ça. Et après, quand il revenait, il fallait que tout soit fini. Alors, vraiment, parce que je suis un très mauvais père. Pour utiliser les feuilles. Mon fils, je suis obligé de lui faire des lignes d'écriture tous les soirs. Ouais, il faisait des trucs comme ça aussi. Ouais. Et donc, j'ai écrit des phrases. Et quand sa mère, elle a lu les phrases, elle m'a dit: je te le laisse plus. Adam mange un cheeseburger. Il lève le chocolat. Et en fait, j'ai fait un transfert de mes envies. C'est sûr. Et ma femme, elle me dit: mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il apprend. T'as fait une faute à cheeseburger. Il y a deux os à Deliveroo. Eric Zemmour est naze. Ça veut dire quoi, ça, papa? Non, mais c'est important de... Parce que c'est, en plus, c'est des vrais moments que t'as avec tes enfants sur leur scolarité. Toi, t'as aidé ton fils ou pas? Ouais, je crois, oui.
Si, je l'ai aidé, oui. Non, mais même, je ne me rappelle pas. En fait. Non, pas trop à écrire. Ça veut dire que tu l'as pas fait. Non, pas trop à écrire, à lire. Non, il a su assez rapidement, donc non, ça allait. Bah après, quand tu fais des lignes avec ton fils, c'est peut-être qu'il a du retard, non, à l'école, non ? Non, c'est pas ça du tout. C'est que, en fait, c'est la nouvelle éducation nationale. Mais tu as des groupes. Tu as le groupe 1 où ils savent lire, écrire et ça va très vite. Et dorénavant, il y a des parents, par exemple, qui, dès la maternelle, aident leurs enfants, en tout cas leur apprennent. Et quand ils arrivent en CP, ils savent déjà, ils sont déjà autonomes. Ouais, ça veut dire, dans la classe, il y a Ligue 1, Ligue 2, exactement. Ligue des Gaulmont. Et là, oui, il y a Ligue Maxence, c'est une nouvelle ligue. C'est ceux qui viennent à l'école, ils disent, mais je me suis fait caca dessus. Non, mais ça change. Ça change, parce que moi, je sais que je pouvais sortir. Tu vois, je sortais, donc j'avais pas envie de faire mes devoirs, tu vois, quand t'as tous tes potes dehors. Tu sortais à 7 ans, toi. Tu sortais à 7 ans. Pardon, je vais te dire ça, je vais pas donner de nom, mais mon fils, dans sa classe, il a des redoirs. Et tu sais, mon fils est vraiment un bourgeois. Je vais le chercher. Et voilà. Et il y a un pote à lui, un Renoir. Il se balade seul à Montmartre. Ouais, mais ça me choque pas. Non, mais écoute, il marche. Et moi, mon fils, hier, je le croise. Et je croise le Renoir. Je dis, mais tu fais quoi là? Il me dit, je vais chez un autre copain. Je dis, mais il y a classe demain. Il me dit, ouais. Je dis, mais elle est où ta mère? Il me dit, elle est pas là. Et là, d'un coup, le choc des mondes. Et mon fils, il a dit, comment ce sera? Il dit, non, mais laisse, lui, il est trop tout seul. Ça veut dire, même les autres de la classe, ils disent... Il a 7 ans. Le petit, il a 7 ans. Guillemets. Non, je vais pas mentir, ça fait partie de l'éducation africaine. Mais il y avait vraiment, pour le coup, un vrai... Alors, dans les familles Renoir, n'en parlons même pas. Mais alors, les familles mon fils, il a 13 ans, je le laisse seulement aller chercher le pain tout seul, maintenant. Donc... Ah non, mais à quel âge t'es fait autonome ? 1m75. Ouf. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Non, mais franchement. Quand t'as commencé à marcher, finalement, non, après, c'est tout seul. En vrai, c'est juste. Vu ma situation familiale, il fallait être autonome. Parce que. T'étais combien ? On était 4 garçons et ma mère, elle travaille. Elle avait 2 tafs. Elle a toujours 2 tafs. Elle a 2 tafs. Donc, soit elle restait avec nous. Et voilà. Et c'est le plus vieux qui s'occupait des autres ? Non. Chacun savait faire à manger très tôt. Chacun savait... Très bien. Mais c'est vous, parce que je fais cette vanne dans le spectacle. Et les gens, j'ai rajouté un truc. Et tu sais, quand tu écris un spectacle comme le mien, qui est magnifique et qui évolue de jour en jour, il y a des vannes, des fois, tu dis « Putain, là, ça rigole fort ». Et en fait, j'ai rajouté un truc qui va te faire gollerie. Je disais, j'ai pris ce qui s'est passé avec mon fils là et son copain. Je l'ai mis dans mon spectacle en disant... Tous les soirs, moi, je vais chercher mon fils ou quelqu'un va le chercher. Il est, tu vois, tout le temps. Mais moi, je me souviens qu'à 6 ans, je rentrais seul. Ouais. Ça veut dire, je voyais mes potes blancs parce que j'ai grandi avec une armée de Maxence. J'étais dans une école de blancs riches quand j'étais petit parce que j'habitais un petit village dans le 78. Et tous mes potes, leurs parents, il y avait des goûters, il y avait des queutruches. Je disais, bande de filles. Et moi, j'avais une boule d'aluminium au fin fond de mon sac d'un pépito en phase terminale et je mangeais tel un oiseau. Je mangeais les miettes et je rentrais seul chez WAM. Vraiment, je rentrais seul. Ensuite, à l'époque, il y avait mon petit frère. Donc, mon petit frère, il avait 4 ans, moi j'avais 8 ans. Je le gardais, donc j'avais l'âge de mon fils. Et ma mère, elle me disait, elle l'appelait et elle me disait, allume le gaz. Exact, ma mère faisait la même chose. Ma mère, elle arrivait à 20h, j'avais déjà allumé le gaz et ça faisait... Oh, sa mère, le gaz. Mais et ça là, avait... Et là, ma mère, elle rentrait et elle mettait tout de suite à main. Tu sais, elle faisait cuire, voilà, tu sais. Et ensuite, je me dis, et elle faisait un truc, et j'ai la nouvelle vanne que j'ai rajoutée, et vers 21h, qui est normalement, moi, mon fils, le soir, il se couche à 20h30, ce qui est déjà tard. Mais 20h30, il est couché, mon fils. Moi, à 21h, ma mère, dîner et tout, t'as ton père qui rentre et tout, c'est vraiment la famille africaine. Et d'un coup, ma mère, elle me disait, faut que tu m'aides à faire les impôts. Tu te souviens? Et t'as 8 ans, gars. Le lendemain, tu dois apprendre une poésie de Jacques Prévert. Et là, d'un coup, t'es avec ta rhum qui sait ni lire ni écrire. Toi, tu sais pas où t'en es dans ta scolarité. Ta mère, elle te dit, c'est quoi les impôts? Tu dis, je sais pas, maman, je suis pas imposable. J'ai 8 ans, je sais pas de quoi on parle. Avec c'est pas père, le niveau. On voyait que des excuses en disant, mais laisse, ils nous retrouveront pas. Et c'était vraiment un souvenir, ce truc des impôts. T'as déjà aidé tes parents, toi, à remplir des papiers? Ouais. Là, ce qu'en ce moment, ce que je fais, c'est renouvellement de carte de séjour. Ah ouais. Oh là là. C'est-à-dire que si tu remplis pas le papier... Tes parents, ils sont plus là. Non, mais Yacine, ça va. Hein, ouais. Je trouve que 6 ans, ça va, c'est ce que tu faisais. Il y avait une évolution. Toi, quel âge? Ben, moi... Non, mais frère, pas... là, il va te sortir un truc du bled. Non. Moi, 3 non. ans, non, mais, je vivais de cueillette. Non, je sais que nous, quand on sortait, pour qu'on rentre à la maison, il fallait qu'on nous attrape. Bah oui, sinon on rentrait pas. Il fallait que... C'était une course pour nous attraper. Mais et tu utilises le champ lexical du guépard. Non, parce que le problème, c'est la quoi la scène de Rocky avec la poule. On sort le matin.
Non, le problème, on sort le matin propre, tu vois. Et si tu es sale, tu peux plus rentrer à la maison parce qu'on va te frapper, tu vois. Donc, tu es obligé. Je croyais toucher la France avec mon anecdote. Les deux. Non, je sais pas, t'as déjà entendu quelqu'un dire fallait qu'on rentre propre. Propre. Et comment tu fais pour rentrer propre? Eh ben voilà, bonne si question. Quelqu'un te jette de la c'est terre, là où c'est je rentrais nu. C'était pas possible, donc il fallait. On voulait pas rentrer. Oui, et du coup, vous êtes devenu guerrier soldat en France. T'as gagné la bataille. C'est pour ça que mon frère est devenu un hibou. Il n'est jamais rentré. Non, mais Wita. Non, mais j'ai chassé vrai. Mon premier gnou. Non, mais Wita, ne raconte pas ça aux blancs. Regarde, ils sont là, ils sont choqués. Roland a dit allez, on arrête, Roland. Mais t'as jamais entendu ça, Roland. Mais c'est réel. Non, moi, je suis pas choqué. Je me dis putain, mais j'ai eu trop de chance, quoi. Non parce qu'après il est encore là pour le encore là pour en parler. Donc hein c'était qu'il a lui il est rentré une fois propre. Oui. Ça ne veut rien dire ton anecdote. Une tâche. Je dis ça va. Non mais les copains d'école. Tiens Wita, bam, il balance de la terre. T'es tu dors dehors t'es bloqué ce soir. Dehors. Faut que je rentre les gars. Eh ben non. Mais le petit tu vois peut-être il rentre sale en fait le petit l'habit ton fils. Wita. Bon, non mais on va pas comparer. Nous, déjà, on a grandi en banlieue. Mmh. Et toi, en Afrique, t'as vécu des choses? Moi, j'ai pas grandi même en Afrique, c'est ça le problème. Ça je peux pas dire en Afrique, moi, tu vois. Parce qu'en Afrique, il y a des villes, tu vois. Dans les villes, ça va. Et moi, j'ai carrément grandi dans la forêt, dans la brousse, ouais, tu vois. La brousse. Donc, c'est bien. Wita, on va créer ce qu'il ne faut pas dire aux blancs. De code de la route. Je n'ai pas grandi en ville, j'ai grandi dans les nuages. Non, mais Wita. Là où il y a le tonnerre. Non, mais donc, tu as mais ne dis jamais un blanc, j'ai grandi dans la brousse. Non, mais ne fais jamais ça. Roland, elle dit, c'est un podcast histoire naturelle. Non, mais on dit ça. Moi, je sais que mes parents, ils me disent ça aussi. Quand ils me racontent leur enfance, c'est. C'est-à-dire quand t'as grandi dans la brousse. En brousse. Non, j'ai pas. En fait, il y a des villes. On sait qu'il y a des villes partout, tu vois. Il y a des villes, il y a des villages. Et il y a des gens qui vivent carrément dans la forêt. Il n'y a pas de maison à côté. Il n'y a pas. Tu vois, il y a pas de plusieurs maisons sales à côté. Ouais, tout le monde a vu les Ewoks. Il y a juste 3-4 maisons qui est autour. Donc, oui, il y a pas de. Tu veux dire, dans ton village, vous étiez combien? T'as dit 3-4 maisons. Près, attends, mais t'as pas demandé près, la bonne question. Avait à peu près qui rentrait propre le soir? Ouais. Une douzaine, 3-4 maisons. Une douzaine de maisons, quoi. Ah, une douzaine mais de maisons. Mais pas très proche, hein, tu vois. C'est... Ah ouais? Oui, alors, 1 km chacun, quoi. Tu vois. Donc... Ouais, non, mais oui, t'as. Mais abuse. Oui, c'est des cultivateurs. C'est-à-dire que quand ta mère disait ramène le sel chez les Diallo, bon, je reviens lundi. Ben non, tu rigoles, c'est ça, non, même l'école. Pareil, ils partaient chaque 3 jours au marché. Pour et rappelle-nous l'école, courses. C'était à combien de temps de chez toi? Je me rappelle plus. Tu l'as déjà dit. 4 heures. T'avais dit 4 heures. Hein, on a rajouté un peu. Non, mais ouais, c'est pas vrai. C'était pas 4 heures. Non, mais non, vous avez vu les spectacles, donc c'est pas. Mais on sait pas ce qui est vrai ou pas dans ton. Oui, oui, c'est vrai. La donc, seule chose qu'on sait. À vrai dire, l'école était à peu près à 2 heures, 1 heure, 2 heures, à vrai dire. Moins de 2 heures. Pourquoi t'as mis à vrai dire? Ça n'a rien à voir. C'est 1 heure ou 2 heures? Moins de 2 heures. Voilà. Un truc comme ça. Et t'allais à pied? Oui, oui, bien sûr. À pied, à 2 marches, je vais dire. Moins de 2 heures de marche à pied pour aller à l'école. Vous n'avez pas Oise? Oise. Oise. Le Oise Africa. Attention, dans 20 mètres, un tigre. La prochaine à droite, un gorille. Non, mais c'est... Non. T'as déjà rencontré des animaux chelous? Bon, à part le crocodile, on rappellera pas oui. Cette anecdote. Quelle est... Non, en allant à l'école. Mais bien sûr, j'ai gardé bouche. Des animaux, donc j'ai vu tout le temps. Attends, non, mais c'est nouveau ça. Tu gardais des animaux? Mais oui, bien sûr. Oui, t'étais babysitter de cobra? Berger, non, mais en allant à l'école dans la brousse, il y avait des animaux chelous. Non, aller à l'école, ça va, mais en gardant les animaux, oui, tu vois tous les animaux. Par exemple? On n'a pas vu, par exemple, les lions et consorts, on attendait les cris de loin, tu vois. Les lions? On entendait les cris, oui. C'est pas des rugissements qu'on. Oui, c'est les cris, c'est pas. Parce que là tu dis un cri. Au secours. Ah, c'est il est un chelou lion. Ce lion. Sou... Bon, ce lion est très bon à l'école. Bon, vas-y, l'animal. Qui petit, de petits animaux comme des singes, des petits singes, des trucs comme ça. Oui, on le voyait. Tu sais, Wita, je te dis ça devant toute la salle. Mais Roland, je te pose une question, c'est la même. Est-ce que tu as déjà croisé un singe sur le chemin de l'école? Mais non. T'as vu, c'est époustouflant. On voyage dans ce podcast. Et quand tu vois des singes, quelle est ta réaction, Wita?
La discussion, l'échange, la fuite. Je voulais ajouter ça dans mon spectacle, mais je ne l'ai pas ajouté parce qu'on les lapidait. Il lapidait. Allez, à demain. Il a lapidé des singes. Et c'est incroyable. Il nous lapidait aussi, hein, c'est pas des... Allez, gamin, gang of... Je suis tombé sur des singes hyper racistes. Des singes palestiniens ou afghans. Non, c'est pas, je sais pas si on les appelle des singes. C'est Wita, le chef ennemi. Non, allez, je suis au sérieux là. C'est pas sérieux. T'as dit qu'ils te faisaient lapider par des singes. Non, mais je sais pas si on les appelle des singes. Ils sont pas énormes, c'est des petits... C'est des êtres humains. Non, vas-y. Et les lémuriens, c'est pas ça les petits singes? Non, c'est pas. Il y a d'autres petits singes de Burkina. Je connais pas le nom. Ils sont pas si grands. Mais il saute aussi. Donc, Wita, je rappelle, jamais vous n'entendrez cette phrase sur France Inter. Vous lapidiez les singes. Bah oui, je voulais. Et là, les singes, en retour, relapidés. Bien sûr. Donc, en. Non, Jean, par exemple. Est-ce que Thomas, tu as montré sur ton portable un singe? Oui, c'est ça. Tu le Monsieur Wita, reconnaissez-vous cette personne? Non. Avez-vous lapidé cet animal, oui ou non? Non, par exemple. J'ai jamais vu un truc aussi. Attends, je vous explique. C'est logique. Par exemple, si on part pour manger des mangues, on ne va pas les laisser bouffer les mangues. On est obligé de les lapider pour qu'ils partent. Tu vois. Mais... Dis pas lapider. Oui, tu balances des cailloux. Non, mais gars, lapider, c'est le champ lexical des talibans. Oui, voilà. Ok, bah, on... Ça fait comme si. On balance des cailloux, c'est pas. Non, mais on t'imagine en train de l'enterrer dans la terre. Non, mais gars, on les attachait un peu trop. À la Wagman. Mais par exemple, quand les maïs sont prêts et qu'on est dans les champs de maïs, ils jettent des cailloux parce qu'ils veulent qu'on parte pour qu'ils viennent manger. Les singes. Bah oui. Non, mais attends. Mais c'est des impolis, hein, c'est pas des. C'est vraiment. Des impolis. C'est plus qu'impolis là. Ah ben ils veulent manger. Les singes, ils sont impolis. Nique ta mère. Non, surtout, vous savez pourquoi je rigole depuis tout à l'heure? C'est que quand Wita il a vu le film La planète des singes, il a dit. Que des souvenirs. Ce sont que des souvenirs. Un jour aussi, il y en a un qui m'a dit non. Wita. Reconnaissez-vous cette personne? Thomas, arrête. Oui, t'as, je te jure. Non, mais c'est un grand moment de radio qu'on est en train de dire. Merci mais bon personne t'a dit les singes, ils m'ont lapidé et ils sont impolis. D'où l'importance de la langue française. Bah, écoute. Bah, ils ont faim, quoi. Ils ont faim. Bah, oui, Wita, je te pose une dernière question, on arrête le podcast après. Est-ce que tu t'es déjà battu avec un singe et tu as mis une balayette? Non, sans mentir. Non, pas du tout. Oui, mais c'est la vie de ceux qui vivent dans la forêt. Hein. Quand je suis arrivé en ville, ça changeait à 15 ans. Bim, j'avais une voiture de sport comme cadeau d'anniversaire. Tu vois, il y a le changement. La ville et puis la forêt, ça peut pas être pareil. Ben oui. Non, mais moi, c'est ce que j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire. Maxence, tu as dit à 15 ans. Bah ouais, à 15 ans. Et un jour, j'ai vu un singe faire du stop et je lui ai dit vite. <"Bim." rire> Bah ouais. Bon, Wita, pour finir, quel autre animal tu as lapidé? Non. Le crocodile, ok. Le singe, ok. Est-ce que t'as déjà. Vraiment, c'est une vraie question. T'as déjà croisé un lion? Non. Je les ai entendus. Sinon, je n'allais pas être là. Je suis ouais, là. Parce que, en général, que j'ai pas c'est eu, moins c'est gentil que. Attends, c'est une vraie question. Hein. Il n'y a aucune forme quoi. De racisme. Ouais. Vraiment, c'est une interrogation. Mais quand tu croises un lion, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que quelqu'un sait ou pas? Tu pars en courant? Est-ce que... Il y a des animaux, il ne faut pas bouger. Lui, qu'est-ce que tu fais, le lion? Et c'est pareil aussi. Hein. Tu le dialogue. Tu tiens le regard. Tu tiens le regard? Oui. Ok. Lâche pas, comme ça, il... Parce il baisse en fait, les yeux, il baisse les yeux. Non. C'est en fait, c'est si tu baisses le regard qu'il t'attaque. Ah oui. Oui, bah comme les chats, un peu comme les chats, quoi. En fait. Donc, ouais, d'accord. Il faut sinon, tu regards. Fais comme ça, là. Qui a vu Crocodile Dundee? Non. Il y en a qu'on la ref. Est-ce que t'as déjà un ami à toi qui a été mordu par un animal? Comme serpent, oui, mais non, pas de vrais des animaux. Le grand serpent que t'as vu? Anaconda? Non, t'as pas vu ça? Non, y a pas ça combien, non. Non, des petits. Con, non, il y a. Quoi? Y a bah, des je sais pas. Des petits serpents de 2-3 mètres, pas plus. De 3 mètres? De 3 mètres? Oui. Bien sûr. Moi, je vois une vipère de 20 cm, je m'évanouis. De 3 mètres? Oui, bah. Non. C'est que je Yacine. Yacine, c'est normal. Il y a un souris qui t'a chassé ici ou un rat. Non, mais là, j'étais au Maroc, là. J'étais en cavale. J'ai vu un chien, frère. Chien. 5 pattes. Non, 103, j'étais en taxi, il nous double. J'étais en mobilette. Non mais frère, j'ai vu des chiens au Maroc.
Ça va pas fort, les chiens du Maroc. Hein. Ouais, faut vraiment. Brigitte Bardot, elle arrive là-bas, elle se suicide. Non, les animaux en général en Afrique, ils sont pas pareils. Non, non, c'est vraiment les chats et les chiens, c'est, ils sont à leur compte, quoi. Ouais. Ils sont... en vrai, ouais. Non, non, ils sont pas à leur compte. Ils mangent à la maison de temps en temps, mais ils sont, comme ils sont libres, ils peuvent. Il y a une auditrice qui m'a envoyé un message qui m'a dit en septembre, je pars habiter au Maroc. C'est une Marocaine d'origine, et je pars avec mon chien. C'est un petit chien, mais tu sais, petit chien de bourgeoise, là, un tout petit chien comme ça. Et elle part avec au Maroc. Je lui dis, mais fais pas ça, il va mourir. Pas s'habituer là-bas. Dommage. Non, mais parce que les bourgeois au bled, ils ont, bah, de toute manière, je les ai vus au Maroc, là, la bourgeoisie marocaine, ils ont des petits chiens, tout ça. Mais c'est un signe de richesse, vraiment. Mais les autres, tu vois, même quand ils ont un chien, moi, je me souviens, je t'ai raconté, j'avais un chien, je le raconte dans ce podcast, mais j'ai perdu mon frère quand j'avais 13 ans. Et mon père, il est rentré, pédagogie marocaine. Je venais de perdre mon frère, il a dit, vous n'aurez pas d'autres frères, donc je vous prends un chien. Là, frère, Françoise Dolto est morte à ce moment-là. Et j'avais un chien qui s'appelait Wolf. Et il a eu la mauvaise idée, frère. On lui donnait tous nos restes de tagine, de couscous. Et même le chien, il arrivait, il voyait ça. Non, mais c'est normal. Hein, c'est comme le Renault italien. Et un jour, il s'est allongé sur le tapis de prière de mon père. Khabib. Et là, mon père, il lui a mis un coup de pied, je m'en souviens, dans le visage. Ah, c'est pas carrément. Non, mais c'était un chien, en plus, c'était un berger allemand. Et j'ai vu à quel point... Pose-toi, chien d'infidèle. Oui. Mais surtout, j'ai vu à l'époque à quel point, tu sais, les gens du bled, nos parents, qui sont des blédards magnifiques, n'ont pas d'estime pour les animaux. Et en plus, je l'ai déjà raconté, mais je le raconte. Non, même les enfants... Non, m'abuse pas. Ils ont l'estime, ça veut pas, mais ça arrive qu'ils frappent les enfants ou les animaux, tu vois. Mais on n'est pas au même niveau. Non, mais je vais dire que sur le mec, il peut frapper son enfant, c'est pas un animal qu'il va caresser, et tu vois. Tu comprends ce que je veux dire. Ouais, moi, mon oncle, il frappait son chien, son fils, sa femme. Il a fait triplé. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais en plus, il est mort. Je le raconte parce que ça va te faire galerie. C'est que le chien Wolf, un jour, je rentre, il était plus à la maison. Et tu sais, on était un peu triste, on disait, ouais, il est où? Ma mère, elle dit, vraiment, tu sais, ma mère, elle a grandi au bled, elle dit, ouais, il est mort. J'ai dit, mais attends, on l'a vu ce matin et tout. Elle dit, ouais, il est mort et tout. Et je me souviens, je lui ai dit, mais attends, il est mort et tout. Et une semaine passe, deux semaines, et au bout de trois semaines, il était chez mon voisin d'en face. Et c'était des blancs qui l'avaient pris et qui lui avaient mis un bandana rouge, je m'en souviens. Et je dis à Wolf, viens, il venait, non, ce bâtard. Il avait une nouvelle vie, il disait non, vos restes de tagine. Disait pas, viens, ouais. Il dit, viens, Yacine. Et mange. Qui m'a dit, Yacine, traverse la route, viens avec nous. Yeah. Ici, on mange à tous les repas. Merci en tout cas, merci. C'était génial, 1h18 de podcast. Je crois que vous en avez eu pour votre argent. Plusieurs univers nous avons traversé ensemble. Quel plaisir, mon cher Wita, mon cher Silver, de vous revoir. En tout cas, merci à Soon et Kino. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont partagé avec nous un moment dans ce podcast. Vous êtes ici chez vous, on se retrouve. Silver qui va jouer au théâtre de 10h aussi. Exactement, hein. 5 juillet. 30. Yes, 30 avec Black Adam le 5 juillet à 21h. Black Adam, voilà, qui viendra nous voir aussi. Yes, venez, les places sont toujours là. Ouais, il y a déjà des ventes, hein, c'est bien. 8, ouais. 10, 15. 15. Wita. J'étais hier au théâtre, t'as reçu un coup de fil d'un singe à qui t'aurais volé une veste. Il est là chez vous, le mec qui m'a lapidé. Il mangue, le mangue. C'est qu'un jour, on va trouver des singes devant le théâtre en disant, dites-lui de sortir. Oh là là. On se retrouve lundi pour un nouveau podcast, mesdames et messieurs. On sera à Montpellier demain, vendredi et samedi. Venez. Venez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui font ce podcast. À lundi, bye. Bisous. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvelle vanne.com.